Peace. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool en fait Scam cette fois-ci. Et aujourd'hui je vais vous présenter mon Snapchat, donc voilà, peut-être que ça intéressera pas tout le monde. Mais voilà, je vais vous présenter mon Snapchat et je vais vous présenter 2-3 petits trucs que j'ai déjà fait sur mon Snapchat. Alors c'est parti. Donc là, bah, tout simplement à l'écran vous voyez mon Snapchat, donc je pense que c'est Soit Cool mec là, tout collé ensemble qu'il faut noter. Après je m'y connais pas plus que ça, mais voilà tu vois, ajoute-moi poto, tu vas voir, tu vas kiffer. Je fais pas souvent de Snap. Mais quand j'en fais, c'est pas mal, je vous assure. Donc là, je vais vous montrer 2-3 extraits de Snap. Bon, j'en ai fait 10 en un an. DR, c'est pas beaucoup, mais voilà quoi, tu vois. Attends, là, je vais vous mettre une vidéo de ouf que j'ai tournée aujourd'hui avec Snapchat. Et franchement, c'était assez fun, vous allez voir. Allez, c'est parti, regardons ça ensemble. Ouais, je regardais ça. Je me fais des putains de steaks. Avec des épinards à la crème. Ça va être bon ça. Alors faut que je vous dise un truc avant d'aller plus loin. Ça fait genre 6 ans que je suis avec ma femme. Et ça fait 6 ans que j'ai pas fait un steak. Ouais, si j'ai peut-être fait un steak la première année pour lui montrer que je savais faire des steaks. Mais sinon avant je le faisais tout le temps des steaks. C'est moi qui faisais les steaks tout le temps tu vois. Donc j'étais quand même assez perfectionné dans les steaks. Moi je les aime bien saignants. Pas à point, j'aime pas trop. Saignant, c'est parfait, tu vois. Alors, ma femme, elle pouvait pas faire à bouffer aujourd'hui. Alors, elle m'a dit, vas-y, fais-toi un steak. Et tu veux quoi comme accompagnement? Mais moi, j'ai dit, bah, vas-y, des épinards à la crème, comme d'habitude, comme je faisais avant. Alors, je vous dis pas le carnage que ça a fait, parce que c'est un truc de fou. Mais ne jugez pas, hein. Je suis maître cuistot, maître, master cuistot, je sais pas quoi, hein. Je vous jure, hein. chef cuistot, je sais pas quoi, hein. Vous êtes. Tracassez pas, vous allez voir la suite. Alors là, je vais vous montrer pourquoi j'aime ma femme. Regardez un peu ça, les steaks, ils sont tout cramés. C'est quoi cette histoire? Et la sauce, regarde-moi ça. Encore heureux que les épinards, ils ont rien. Mais la sauce, je crois vraiment que c'est pas normal. Ça est tout noir. Enfin bref, je pense qu'à l'intérieur. Oh, ça sonne! Oh mon dieu! Oh. T'imagines, je suis en train de faire un snap et tout. Moi, je suis tellement concentré sur ce que je fais. Je regarde pas autour de moi, il faisait tout bleu ma gueule, tout bleu, je voyais plus rien là, tu vois. Là je suis en plein snap, ouais t'as vu ou quoi, je suis quand même, c'est quoi cette sauce et tout. Et je pouf, oh putain, je te dis pas les voisins ils ont gueulé et tout. Mais bon c'est pas grave, c'est pas grave. Alors pourquoi j'ai fait à bouffer tout seul? Parce que ma mère elle en est en Italie, mon beau-père il travaille, ma femme elle travaille et moi je suis tout seul à la maison. On me laisse pas tout seul moi, t'es fou ou quoi? Ma mère elle me fait déjà pas confiance et tout, elle me dit... Non, tu vas mettre là, tu vas faire rentrer tes potes, tu vas te faire cambrioler, tu vas laisser les portes ouvertes, tu vas foutre le feu, tu vois. Alors surtout, s'il vous plaît, n'essayez pas de contacter ma mère ni mon beau-père pour leur dire ça, parce que sinon elles vont marabouter à coups de ceinture là carrément, tu vois. Pas avec des marabouts, non, avec des coups de ceinture. Donc vas-y, c'est parti, on regarde la suite. Putain, j'ai foutu le bordel, c'est un truc de fou. Oh, je crois que le steak. Le steak, hein, personnellement, bon là il est un peu grillé, allez, au calme. Mais là, regarde, il est bien rose, bien tendre et tout. Ça, j'aime bien, tu vois, c'est gnant. Tu vois, pas de sang, tu vois bien qu'il n'y a pas de sang, tu vois. Donc d'un côté, c'est réussi, mais un peu trop cramé quand même sur l'extérieur. Mais sinon, vous allez voir. Il est quand même, il a l'air quand même bon, mais putain, le bordel. Alors le petit truc qui m'a pris la tête, hein. J'ai dû prendre une chaise, essayer de le démonter, il voulait pas s'arrêter. Je l'ai mis dans mon boxer, il voulait toujours pas s'arrêter, il sent la fumée à travers le boxer. Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai enlevé la pile, voilà. Enfin, j'ai pas réussi. Vous avez vu, je l'ai enlevé à moitié parce que j'arrivais pas à enlever complètement, donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble au final. Ça a l'air quand même bon, on va goûter ça. On va d'abord goûter le steak. Quelle belle prise. Quel beau cadrage avec la lumière derrière et tout. Franchement, c'est pas mauvais. Ah, à la zucchéri. Les épinards, je les avais bien salés. Franchement, c'est réussi. Je crois que c'est la meilleure réussite, là, les épinards. Alors là, frère, regarde ça. L'éponge, frère. J'ai tué l'éponge, mon pote. J'ai lavé la poêle avec. Bah, franchement, l'éponge... La poêle, elle était toute noire, cousin. Bébé, je t'ai laissé la vaisselle. Il y a deux poêles, un couvercle avec une assiette. Ça, c'est... Ça, c'est tout moi, ça. Joué, le devoir m'appelle. J'ai pas le temps de faire la vaisselle. Je vais vous montrer un dernier truc. C'est marrant. Regardez ça. C'est quoi ça, Spock? C'est un ballon, ça. C'est quoi ça? Je suis pas au ballon à la maison. Hein? C'est d'or. Fou là, ça. Hein? T'es fou quoi?
Le ballon, c'est là-bas. Prends le ballon. Là-bas. Allez. Dors. Trop de respect, frère. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça ici. On respecte ici. C'est ici la famille. Peace. Yeah. Donc ça, c'est, ça c'était le Snapchat d'aujourd'hui. Hein. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'était assez drôle, c'était assez kiffant. Donc voilà, c'est pour ça que je vous présente mon Snapchat. Parce qu'en fait, je me suis dit, ben voilà, c'est une bonne vidéo. Donc je vais peut-être vous la présenter sur YouTube et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, les frères, au calme. Alors là, je vais vous montrer un autre truc. Donc voilà, pour l'anniversaire de ma femme, on a été au flyin.be, il est marqué juste là, tu vois. Alors en fait, c'est une simulation de saut en parachute, parce qu'en fait, ma femme voulait faire un saut en parachute, mais c'est beaucoup trop cher, bébé, 250 balles, tu crois que j'ai aucun revenu, ma gueule, toi. Donc on a trouvé une simulation de saut en parachute, et c'est, j'ai plus la photo, je l'avais mis sur Snapchat, mais je l'ai pas enregistré, mais ils avaient mis, genre, le meilleur, le plus grand truc... au monde de simulation de chute, toi. Alors là, c'est à peine vantard, hein. Les Belges, ils croient trop que c'est la fête, hein. Je suis sûr que je vais en Amérique, j'en trouve des 100 millions de fois plus grand que ça, toi. Enfin bref, donc on a fait ça, je vais vous montrer ce que c'est. Donc c'est pas nous, hein, là. Je t'assure que c'est pas moi qui fais ça, cousin, parce que sinon je serais content. Donc regardez ce qu'on a vécu, franchement ça vaut la peine. C'était 60 euros, 50 euros, c'était pas mal, un peu cher parce qu'on est resté genre 4000, même pas 4 minutes, ouais, même pas 2-3 minutes, quoi, tu vois, dans le bazar. Donc on a eu 30 minutes d'information, d'entraînement, tu vois, de voilà, tu fais ça si tout va bien, tu fais ça si tout va pas bien, tu vois tu plies les jambes, tu vois, enfin bref, je sais plus, d'entraînement, quoi. Bon allez, c'est parti, regardez moi ça. Alors je vous dis pas que c'est quand même assez assez bluffant. Regardez, ils volent, ma gueule, ils volent. Donc moi, j'ai volé là pendant 2-3 minutes, toi. Je vais pas vous montrer la vidéo parce que je l'ai même pas. De toute façon, elle est pourrie. J'ai payé 10 euros pour avoir un clip vidéo. C'est pas un clip vidéo, fou. Ils ont mis une caméra, ils ont tout filmé. Ils ont même filmé tous les groupes qui étaient avant nous. Alors 10 euros pour ça, pas de fois enculé, fling.be, mais tout couille. En plus, je pouvais pas prendre ma clé USB pour prendre la vidéo directe. Ils ont dit que oui, on vous l'enverra dans un mois ou deux. Tu vois, histoire que t'as bien oublié tout ça, tu vois. Que c'est bien derrière toi, mais bon, bref. Et en fait, l'enroule, c'est que il fallait payer leur clé USB Flying pour avoir le truc. Donc, tu payais 20 euros en plus, toi. Ils sont complètement tarés, les gens. Une clé USB à genre à 250 MB, quoi. En plus, une clé USB que tu jettes après, quoi, tu vois. L'argent. Bon, alors là, je vais vous montrer un autre truc. Donc, je vous montre tout simplement la suite. Parce que là, ils sont carrément la tête à l'envers, tu vois. Franchement, c'était des experts. Et une fois, elle est montée super haut, il est redescendu. Comme si il volait, frère. C'était un truc de fou, quoi. Moi, j'aurais kiffé faire ce qu'ils font là maintenant, toi. Hein. Mais eux, ils me tenaient et tout, toi. Hein. Laisse-moi 30 minutes, mon pote, je te fais des trucs de fou, là. Des trucs de fou. Bon, allez, je vous montre la suite. Donc là, je vous montre ma belle photo, hein, de moi avec la tenue, la combinaison et tout. Bon, on va dire que c'est pas trop stylé, mais voilà, je voulais la mettre. Donc voilà. Je vais vous montrer celle de ma femme. Et voilà, elle est plus mignonne, elle, hein, ça lui va un peu mieux, je trouve. Donc voilà, je vais vous montrer la reste. Le reste, c'est son anniversaire. Donc ça, c'était pour son anniversaire. Et on a fait un petit resto, donc je vais vous montrer un peu. Donc voilà, ça c'était pour son anniversaire. Le jour J de son anniversaire, on a été manger une petite crêpe. Puis après, on a été un petit resto au soir et tout. Donc voilà, on avait fait des Snapchats. Et voilà, c'est ce que j'avais publié sur Snapchat. Donc voilà, là en fait, je vous présente un peu mon Snapchat. Qu'est-ce que je présente sur mon Snapchat? Voilà, vous pouvez voir ma belle tête avec mes beaux yeux bleus, hein, si c'est la famille. S'il y a des filles, il y a mon 04, hein, ouais, parce qu'en Belgique c'est 04. Mais mon 04, il est dans la description. Va voir, check, envoie un message. C'est un 06, ça veut pas compris. Non, je rigole, hein. Je suis bien avec ma femme, tracasse, poto. Allez, vas-y, regarde ça. 6 ans de pur bonheur. Franchement, la crêpe, mon pote. Regarde, c'est une crêpe Mikado, du chocolat, là. Par contre, le seul truc que j'aime pas, c'est la glace, en fait, là. Parce que, ouais, il y a 2 boules de glace, tu vois, mais. En fait, crêpe chocolat, c'était bien. Alors là, on se promenait, quel beau temps, voilà. Alors là, on est au resto. Je fais une grosse flèche, JB, toi. Hein. Ça, c'est mon steak, là. Putain, ça, c'est un steak réussi, tu vois. Hein. Alors, santé. N'oubliez pas les frites belges et le petit dessert. Voilà. Voilà. C'est tout. Donc, j'ai fait tous ces snaps en genre 6 mois. Hein. 6 mois. Pas un an, mais 6 mois. Donc, voilà. Si la vidéo t'a plu, poto, like, lâche un gros pouce bleu, mon pote. Partage cette vidéo pour m'aider à évoluer sur YouTube, ce serait super sympa de ta part.
rajoute-moi sur Snap. Je vous fais confiance. Je veux au moins 1 million de Snapchat là. De rajoute-moi. Faites partager les cousins. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les poteaux. Allez, ciao. Peace.